tout simplement. Hello, like, subscribe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez faire le déblocage de votre iPhone. Donc, dans la vidéo du jour, je vais te présenter trois applications qui vont te permettre d'effectuer le bypass iCloud ou à quoi appeler le contournement du verrouillage d'activation iCloud. Contournement du verrouillage d'activation iCloud, c'est tout simplement le processus qui vous permet d'avoir accès à votre téléphone bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Si vous avez votre téléphone bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, alors ce que vous devez faire, c'est premièrement laisser un like sur cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les top 3 des applications qui vont vous permettre d'effectuer le bypass avec réseau. Parce qu'il y a plusieurs bypass qui marchent sans réseau. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux avoir le bypass iCloud plus le réseau. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé à savoir quel est l'outil qui te permet d'avoir le bypass iCloud plus réseau. Quel est l'outil le plus moins cher? Quel est l'outil qui est le plus rapide? Quel est l'outil qui est le plus performant? Ou quel est l'outil qui permet même de débloquer les iPhone XR? Alors, si tu te poses ces différentes questions, ce que tu dois faire, c'est tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que si tu rates une étape de cette vidéo, vraiment, ça ne sert à rien de regarder la vidéo. À la troisième place de cette vidéo, nous avons l'outil iRemoval Pro. iRemoval Pro, c'est la première application qui permet de faire le bypass pour les iPhone Mi ID parce que vous connaissez très certainement qu'il y a deux types d'iPhone. Il y a les iPhone GSM et il y a les iPhone Mi ID. Avec iRemoval Pro, vous pouvez effectuer le bypass iCloud sur votre PC Windows. Donc cette application, elle est disponible uniquement sur Windows et elle permet de faire le bypass avec réseau. Ce que vous devez faire, c'est très certainement connaître les différentes étapes. Il y a trois étapes à franchir lorsque vous voulez faire un bypass iCloud avec réseau. La première étape, c'est tout d'abord le jailbreak. La deuxième étape, c'est la vérification plus l'enregistrement. Et la troisième étape, c'est tout simplement le bypass en question. Donc vraiment, voilà les trois différents types d'étapes que vous devez franchir avec toutes ces trois applications que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'application iRemoval Pro va vous permettre de faire le bypass et avoir tout fonctionnel, notamment les appels, les SMS de la notification, du FaceTime ainsi que tout. Vous pouvez aussi redémarrer votre téléphone. Toutes les applications que je vais vous présenter aujourd'hui vont vous permettre d'avoir ces différents trucs-là. Vous allez vous-même voir la différence entre toutes ces applications là dans cette vidéo. Comment alors utiliser iRemoval Pro? C'est très simple, vous allez tout simplement télécharger l'application sur le site iRemovalPro.com. Là, vous allez voir l'interface du site qui est vraiment très propre. Ils offrent deux services, notamment pour les T2, le déblocage des Mac ainsi que le déblocage des iPhone et des iPad. Vous allez sélectionner tout simplement Download iRemoval Pro, la version 4.3. Donc, il peut y avoir autre version lorsque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc, la version actuelle, c'est 4.3. Vous allez télécharger la version 4.3. Ensuite, vous allez l'installer. C'est très facile de l'installer sur votre Windows. Lorsque vous allez installer l'application, maintenant, il va falloir ouvrir l'application. Donc, vous allez ouvrir l'application. Ensuite, vous allez connecter votre téléphone. Une fois connecté, il va falloir d'abord vérifier. Donc, la vérification va commencer, mais la vérification ne peut commencer que si vous avez déjà jailbreaké votre téléphone. Alors, vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez jailbreaker votre téléphone. À la description de cette vidéo, il y aura une vidéo qui va vous permettre de jailbreaker votre téléphone si vous êtes sur Mac ou alors si vous êtes sur Windows. Alors, regardez tout simplement à la description de la vidéo. Lorsque vous allez connecter votre téléphone, alors l'application va vérifier automatiquement si votre téléphone est compatible avec un bypass plus réseau ou pas. Déjà que tous les iPhones à partir de iPhone 5S jusqu'à iPhone X sont compatibles. Mais maintenant, il reste à savoir si elle est compatible avec réseau ou pas. Et aussi, ça dépend de la version de votre iOS. À partir de iOS 12.0 jusqu'à iOS 14.8.1 actuellement, c'est uniquement les versions qui sont compatibles avec le bypass. Une fois la vérification effectuée, il va falloir faire ce qu'on appelle l'enregistrement. Comment enregistrer votre téléphone? Si vous avez une carte bancaire, déjà vous pouvez créer une carte bancaire avec une vidéo à la description de cette vidéo-ci. Donc, une carte bancaire avec l'application KeyCash avec votre mobile money.
Et maintenant, si vous avez déjà votre carte bancaire, c'est très simple. Comment enregistrer votre téléphone? Il va falloir tout simplement aller sur le site iremovalpro.com-p. Lorsque vous serez dans le site, vous allez tout simplement suivre les instructions qui vont s'afficher là pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle l'enregistrement de votre numéro de série. Donc, le SN déjà, ça signifie numéro de série. Donc, il va falloir tout simplement copier votre SN. Ensuite, mettez dans la barre pour les iPhone, MyID ou GSM. Et là, le site va vous dire si votre téléphone a été vérifié ou pas. Si ça a été vérifié, alors elle va valider la vérification et vous allez passer directement au paiement. Vous pouvez payer par votre carte, comme je l'ai dit tantôt. Vous allez tout simplement entrer vos informations. Si vous voulez une grosse réduction sur l'achat de votre service, il va falloir utiliser un code promo. Alors, la bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser le code promo SCHOOLKID pour avoir une grosse réduction de moins 10%. Et là, peut-être ça va changer dans l'avenir. Peut-être ça pourra être 20% lorsque vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement. Donc, vous allez entrer tout simplement SCHOOLKID. Et vous allez valider le paiement. Il va tout simplement falloir appuyer sur activer et votre téléphone sera activé dans l'application et vous pourrez utiliser pour effectuer des appels, des SMS, du redémarrage ainsi que tout. Maintenant, la deuxième application dans notre liste, c'est l'application iRemove Tool. L'application iRemove Tool, c'est une application qui est premièrement disponible sur Mac ainsi que sur Windows ainsi que autres services de déblocage. Donc, le site iRemove.tools vous permet d'effectuer plusieurs types de déblocage sur votre appareil iOS. Vous allez tout simplement vous rendre sur le site de iRemove.tools et là vous allez télécharger l'application sur Windows. Moi je vais télécharger sur Windows, mais si vous avez votre Mac, alors le site va détecter immédiatement si vous avez un Mac ou un Windows et là vous pourrez tout simplement télécharger l'application selon votre système d'exploitation. Une fois l'application téléchargée, ça va se passer de la même manière que l'application iRemoval Pro. Donc vous allez tout simplement vous connecter, ensuite vous allez passer à la vérification. Et une fois vérifié, on va vous dire si votre téléphone est compatible avec un bypass plus réseau ou alors un bypass sans réseau. Vous allez maintenant cliquer sur Order Now pour pouvoir passer à votre enregistrement. La particularité avec iRemove Tool est que vous avez la possibilité d'enregistrer votre numéro de série, pas uniquement avec votre carte bancaire. Vous pouvez utiliser la crypto-monnaie comme le USDT, vous pouvez utiliser les bitcoins et vous pouvez aussi utiliser votre carte bancaire. Donc là, elle vous offre plusieurs modes de paiement et là ça serait vraiment très simple ici. Une fois sur cette page, vous devez d'abord entrer votre nom, ensuite votre email et en bas sur le code promo, vous devez entrer le code promo qui s'affiche à l'écran et là vous aurez une grosse réduction sur l'achat de n'importe quel service sur ce site de iRemove.tools. Une fois terminé, il va falloir descendre et appuyer sur appliquer pour avoir la réduction. Une fois le paiement effectué, vous allez tout simplement cliquer sur Start pour pouvoir terminer et votre téléphone sera bypassé avec réseau ainsi que tout fonctionnel. La première application dans notre liste aujourd'hui, c'est l'application CheckM8. La particularité avec cette application, c'est qu'elle vous offre aussi un grand mode de paiement et là, vous pouvez effectuer le bypass comme vous voulez. Donc, les étapes, c'est la même chose. Donc, vous allez tout simplement aller sur le site de checkm8.info. Vous allez voir l'interface, c'est vraiment très magnifique et vous pourrez télécharger l'application que ce soit sur Mac ou alors sur Windows. Une fois téléchargé, vous allez l'installer et lorsque vous allez installer, vous allez connecter votre téléphone et rassurez-vous toujours de jailbreaker votre téléphone avant de connecter. Ensuite, la vérification va débuter et vous allez savoir si votre téléphone est compatible pour un bypass avec réseau ou alors un bypass sans réseau. Une fois la vérification terminée, il va falloir juste cliquer sur Order Now et là, ici avec CheckM8, vraiment les gars, vous avez une grosse réduction. Donc, c'est grosse réduction x2. Donc, vous allez tout simplement entrer votre nom, votre email. Ensuite,
à la place du code promo, vous allez mettre SchoolKid237 et ensuite vous allez valider. Lorsque vous allez valider, vous aurez une grosse réduction, les gars. Une hyper réduction. Et maintenant, comme vous avez déjà vu la différence des prix, c'est facile pour vous de connaître quel est l'outil qui vous permet d'avoir un bypass moins cher. Vous connaissez déjà l'outil actuellement. Une fois terminé, il va falloir juste cliquer sur Statcom avec iRemove Tools et là votre téléphone sera bypassé plus réseau et vous pourrez effectuer les appels, des SMS, de la notification, redémarrage ainsi que tout. Toutes ces trois applications pour débloquer votre téléphone ne sont rien sans le jailbreak. Alors si vous ne connaissez pas comment faire le jailbreak, suivez tout simplement la vidéo qui va s'afficher quelque part là. S'il vous plaît, laissez un like. Partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Pour tous ceux-là qui n'ont pas de carte bancaire, qu'est-ce que vous faites, mon frère? Contactez-moi sur WhatsApp pour pouvoir enregistrer votre numéro de série sur ces différentes applications. Et sur ce, merci et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo.